Ah, c'est dur d'être maman à plein temps. Ouais, c'est trop dur. Et un super papa qui s'occupe d'Arthur. Accessoirement. Coucou. Ça va mon chéri? Oh, t'es bien? C'est une série. Elle est grande ce petit bain là. Bah oui, on est tout seul tranquille. En fait, on a notre piscine presque. Et oui, ça c'est un luxe. Hein. En fait, il y a plein d'emplacements. Mais il n'y a quasiment personne. Ça, c'est le petit bain où il va aller Arthur. Ça, c'est la piscine. Et là, c'est on a travaillé toute la semaine à cette terrasse. Ouais. On était bien. Tu montres à maman comme tu sais bien marcher, vas-y. Allez, wow. Allez. T'arrives bien. Il arrivait mieux sur moi. Parce qu'il est pas concentré. Regarde ça, tu voulais le manger. Ouais, tu veux le manger, t'es prêt? Allez, go. Ouais. Allez, vas-y, tais-tu. Vas-y, tais-tu encore. T'as vu ça un peu? Ouais, je vois ça. C'est fou. Avec ces petites crevettes là. Ouais. Regardez-moi ça. Allez, on traverse. Il y a de l'eau partout à Venise. Il y a partout. Bon, on s'est mis assis avec Arthur parce qu'il est réveillé. Et Marco va essayer de faire voler le drone, mais il y a quand même pas mal de vent. Et derrière, vous pouvez voir en fait la plage qui est complètement déserte. Et on voit du bois flotté qui a atterri sur la plage. Pas atterri, façon de parler. C'est assez rare en fait de voir ça en France, parce qu'en France toutes les plages sont nettoyées. Et là, à part la plage vraiment commerciale avec les transats et les parasols à louer, le reste n'est pas nettoyé hors saison. Et en saison, je ne sais pas si c'est nettoyé. Et du coup, on voit vraiment une plage, disons, sauvage, quoi. Et je trouve ça plutôt joli en fait. Je m'attendais un peu à un dépotoir et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Avec le bois flotté, je trouve que ça a son charme.